Salut tout le monde, c'est ProX Legend, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 4 de notre Let's Play sur The Walking Dead Survival Instinct, ou je sais pas trop comment ça se dit, enfin bref, avec mon accent anglais, voilà quoi, normal. Et bon, on va continuer, on avait pris quoi là, je sais même plus, je crois qu'on avait pris les chemins, oui, bah écoute, on va prendre l'autoroute, allez hop, on y va, on prend l'autoroute, on est des malades. J'ai remarqué en faisant les montages que j'ai vraiment fait de la merde en fait. C'est vrai que j'ai bien, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, mais c'est surtout au niveau des combats au corps à corps avec les zombies que j'ai bien chié dans le poulet ou dans la colle comme vous voulez. Ce qu'il faudrait que je fasse en fait, c'est que je maintienne le bouton RT quand je mets un coup. C'est vrai que je pense que ça pourrait être plus efficace, surtout au niveau du couteau et du marteau quoi. Enfin ou quoi que ce soit. C'est vrai que là j'ai plus d'essence quoi. J'ai plus d'essence du tout. Oh putain, je suis dans la merde. Va falloir que j'en trouve. Va falloir être sérieux, puis à ce niveau, on aura besoin de 10 ans pour atteindre notre destination. Pas d'essence, ok. Bah, qu'est-ce qui se passe alors qu'on a plus d'essence, c'est fini ou non, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a dans notre inventaire. Je vais me passer. Regardez dans le véhicule, c'est vrai qu'il y a le fusil coup par coup, quoi. C'est ça qui est bizarre. Bon, munitions de fusil, c'est les. Ok, c'est ça. Fusil de chasse, bon, de toute façon, j'ai plus de munitions. Allez, je suis un malade, je vais faire le fou. Alors, fusée de détresse, on va la garder, ça pourrait me servir. Mission fusée pour... Allez, je laisse. Je vais essayer de récupérer le maximum de trucs possible. Est-ce que ça va me faire penser comme dans la saison 2 de The Walking Dead, quand ils sont sur l'autoroute et qu'ils sont surpris par une horde de rôdeurs? J'aimerais bien. C'est vrai que ça me ferait beaucoup penser à la série. Je vais tout déposer, voilà. J'ai juste gardé mon marteau et mon couteau. Et apparemment, d'après ce que je viens de remarquer, en fait, ce que je dépose là, je pourrais le récupérer à la prochaine mission. Mais je suis vraiment pas sûr de ça. Allez, c'est parti. On lance la mission. Je vais essayer de jouer mon maximum, voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, ça me fait pas trop penser au truc. Alors, je vais essayer d'être discret. Écoutez, je vais prendre mon couteau et je vais essayer tout simplement. Tête discret. J'essaie avec une attaque forte. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Ou alors c'est moi qui chie dans la colle. Au pire, on va regarder le marteau et on va essayer de trouver des choses intéressantes sur cette portion ou sur ce truc à l'arrêt. Alors, voilà, tout à fait. Une jerrycan d'essence. Là, il nous faudra 19 trucs d'essence, quoi. C'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est quoi ça? C'est pas un truc à ramasser? Non, il n'y a rien à ramasser. Allez, Christo, tu vas essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Ah, ça fait plaisir là, de faire ce let's play. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais c'est fou, quoi. Je me mets à y jouer, ça change. J'ai vu une jerrycan là-bas, vous inquiétez pas, je l'ai remarqué. Je vais aller démonter la gueule du chauffe qui est là-bas. Il y en a deux, ça c'est pas cool. Comment je vais faire? Il y a deux chauffes, c'est une jerrycan que je vois là-bas? Non, je sais pas, je sais pas trop. Ah putain. Dis-moi que tu... Ah super, l'attaque forte. Ah oui, c'est vrai que l'attaque forte là pour le coup avec le marteau c'est efficace. J'aimerais bien les achever au couteau, je trouve ça sympa, mais j'arrive pas à le faire. Voilà, faut vraiment bien viser la tête, quoi, c'est un truc de fou. Alors, jerrycan, il y en a une là de cachée. Oh, j'aime pas ces bâtiments là, mais je suis obligé d'y aller, quoi. Ok. Ça, je peux l'ouvrir. Voilà. C'est ouvert, je vérifie s'il y a rien de spécial à récupérer. Vous avez vu la horde là-bas? Il y en a deux là. C'est pas cool. Il y en a un là. J'ai peur. Non mais... Ils sont
tous dans le bâtiment là. Il m'a remarqué, c'est bon, il m'a remarqué, je vais... Vas-y, viens, Tarlouse. Je prépare mon coup. Ouais, ça change rien, hein, franchement, que je maintienne la touche ou pas. Vas-y, viens, toi. Allez, viens, le zombie. Ah, merde. Tiens. Ouais, ça change rien, je mets toujours 3 coups, hein. Ou alors c'est moi qui est vraiment nul, mais... Regardez, ça c'est un coup faible. Et ça c'est un coup fort. Et j'ai pas l'impression que ça change grand chose, quoi. Tiens. Et tiens. Bon. Accroupi. Y'a des choses ou pas? Toi, je te sens pas. Si, c'est bon, tu fais dodo. Ok. C'est quoi ça? Je peux la récupérer ou pas? Putain! Une porte. J'aime pas ça. Hein? J'ai peur. Hein? Regardez! C'est enfoiré de merde là qui m'a vu! Qui m'a senti là, foiré. Frigo. Y'a rien là-dedans là. Ah c'est bizarre que je puisse pas ouvrir le frigo. Ça sert à rien une porte comme ça en fait. Ah, ah mais ils sont bloqués dans la porte en fait ces bandes de plots. Quoi? Non non tu m'as pas vu là. Char. On va sortir. Hein. Bon, ils m'ont bien remarqué, ces bandes d'enfoirés. Jerrycan, jerrycan, jerrycan. Là, je peux encore avancer de toute façon. Hein. Tiens. Allez, on prend la jerrycan. Hop! Vous avez assez d'essence, d'accord. On a assez d'essence pour continuer. Y'a rien de spécial? Retourne au véhicule, d'accord. Bon bah écoutez, y'a vraiment trop rien à récupérer. Puis j'ai pas trop envie de me faire violer par. À part la petite horde qui a faim de. On veut du steak! Enfin, bref, vous voyez. Voilà, pour ce casse. Ok, bah si c'est plutôt bien passé, j'ai pas été si mauvais que ça. On va dire. Bah, c'est assez linéaire pour le coup là. Enfin voilà quoi. Ah oui. J'ai eu le choix aussi. Si vous voulez, j'avais que deux sièges, je crois, dans mon véhicule. J'ai dû virer quelqu'un et j'ai viré l'autre pour garder la meuf. Me demandez pas pourquoi j'ai gardé la meuf. Hein. Ça peut toujours servir. Non mais voilà. Eh ben on va continuer. On va à Claiborne. Ok. Au Memorial Hospital de Claiborne, l'armée a longtemps assuré la protection d'un groupe de chercheurs détachés par le gouvernement. Le CDC, je suppose, ou je ne sais pas trop. Enfin bref, voilà, on va aller dans les rues. Ah! Oh my god! Wouh! En espérant qu'il se passe des choses intéressantes, parce que c'est vrai que bah, plus on avance un petit peu dans le let's play, plus ça devient linéaire en fait, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être une idée que je me fais du jeu. J'aimerais bien que ça bouge un peu plus quoi, que j'ai des nouvelles armes. Bon l'arbalète, je suis sûr qu'on va pas tarder à l'avoir quoi. Ce serait sympa parce que l'arbalète c'est un peu l'arme de Daryl. Je serais vraiment content de l'avoir. La route est bloquée par un véhicule abandonné, une meute approche. Bon. Moi je continue, allez. J'aime pas trop ça mais bon j'y vais quand même. Alors, là par contre, s'il y a une meute qui approche... Ah oui, il est où Oui, il est où mon truc, là? Oh, c'est pas grave, je prends pas les steaks, wesh. Je suis un fou. Allez, on y va. Ah, il y a une sacrée meute. Alors, pousser la voiture pour dégager un passage. Ah, faut pas oublier que j'ai une fusée de détresse qui pourrait... Tout simplement me permettre de créer une diversion. Il y a un peu trop de zombies là, c'est un truc de fou. Comment je vais faire?
En plus, ils approchent vers moi, quoi. Eh, vous êtes sérieux, là? Non, pareil. Ah! Mais viens, là. Tiens. Tiens. Et tiens, voilà. Ok. Alors, on continue d'avancer. C'est chiant ça qu'on puisse pas passer vraiment où on veut. J'ai peur. Il y en a beaucoup trop là. Ah, c'est cette voiture-là en plus. Écoute, non, non. Fils de détresse. Casse! Ils m'ont fait... Orage. Bon, j'ai bien joué le coup là, franchement. Mais il n'y a pas encore assez d'action. Va falloir que... Va falloir qu'on rentre dedans. C'est pas super compliqué, quoi. C'est quoi ça transférer franchement, je vais le déposer où en fait? Voulez-vous vraiment déposer l'objet? Oui, je vais le déposer, mais je pourrais le récupérer où après? C'est ça le truc en fait. Je me pose vraiment des questions par rapport à ça. On va toujours avec les bandes de toute manière. Et cette fois-ci. On va toujours prendre la rue parce que bon, on était bloqué par un truc. On a le droit à une petite cinématique. Oh, il y a plein de mangeurs de steak. Oh putain. Non. On n'a plus d'essence. Je crois que ça pue la merde. On va s'en dégommer. Ouais, j'aurais un vrai fusil à pompe là. Voilà, je suis en train de courir dans la rue là. Il n'y en a pas. Du coup, bah voilà quoi. Enfin, pour le moment, j'en ai pas quoi. J'aimerais bien en récupérer. Je pense qu'on en récupère vraiment en aidant des personnages qui sont présents dans le jeu, vous savez, ceux qu'on aide et tout. Ils doivent pouvoir nous donner certaines armes et tout. Ok. Bah let's go. Hein. Toujours dans la rue parce qu'il s'est rien passé de spécial quoi. On s'est juste fait arrêter par une horde de rôdeurs. J'ai pas trop compris pourquoi. On s'est fait arrêter et là d'un seul coup. On continue à avancer. Pourquoi? Je sais pas. C'est assez bizarre là pour le coup. C'est peut-être un bug ou j'ai peut-être fait une fausse manipulation, mais ça m'étonnerait. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix quoi. C'était soit je choisissais rue, chemin ou autoroute quoi. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Alors, à ce niveau, on aura besoin de 25 essences pour atteindre notre destination. Ouais, mais on récupère que de l'essence quoi. C'est chiant. Choisir. Ok, j'ai récupéré tous mes objets. Vous voyez que munitions de fusil de chasse, j'en ai plus. Donc, ça sert à rien. Munitions fusil à pompe, ça me sert à rien. Munitions fusil. Ouais, je vais le prendre le fusil. J'ai encore une fusée de détresse. Tafuc? Ah, attendez, je crois que j'ai compris. Je vais recommencer en fait. Oh non, ils sont pas sérieux là. Je vais recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, quand même pas. Il vous reste peu d'essence. Non, je recommence pas, d'accord. Écoutez, on va attaquer. Non. Oh putain, il y en a trop là, il y en a beaucoup trop. Une idée, Christo. Connard. Oh putain. Je sais pas vous, mais je sens que je suis dans la merde. Non, ça va en fait.
Enfoiré, bah, tu faisais quoi dans le coin? Hein? Espèce de petit malin. Ah, gore! Ah, sympa. Ah, ça y est, tu m'as vu quand même. Bah, en fait, c'est pas super dur. Enfin, regarde, je commence à m'habituer un petit peu au gameplay. J'arrive à... à me faire les zombies qui arrivent sur moi. Non mais attends mon gars, je suis dieu des chefs, tu crois quoi là? Hein? Tu crois quoi? Hein? Y'a rien, pas d'essence. Il doit y avoir des trucs là-dedans. Appel de phare? J'ai entendu sur ma gauche. J'ai entendu un truc sur ma gauche. Ah! Ok. Il y a du monde à l'intérieur. Un baril. Pas une jerrycan, hein, comme vous voulez. Ah, tiens. Oula. J'ai eu peur là. Pour le coup, là, je me suis vraiment chié dessus. Je me suis dit, t'imagines, Christo, s'il y a des mecs qui arrivent, genre à fond de balle. Des munitions, nickel. On va dire que c'est pas mal. Oh, il y a des choses. L'endroit est assez vaste. Ça m'inspire pas mal. Mais je vais tout fouiller. Oh! J'ai envie de fouiller. Je veux vraiment fouiller l'endroit à 200%. Je suis sûr qu'il y a des trucs. Vas-y, viens, toi. J'ai pas peur de toi, le chef. Allez, dépêche-toi! Ok. Hey, j'ai des rails d'optique. Les lunettes pas chères. Regardez, hop. Du hurricane supplémentaire, des munitions de pistolet, malgré que j'ai pas de pistolet. Putain, c'est verrouillé. Bizarre que je puisse pas forcer les portes quand même. Bon, on va continuer. Il faut que j'aille fouiller la maison. Je sais que c'est peut-être un peu long pour vous, mais j'ai vraiment envie de trouver des choses intéressantes. Quitte à mourir s'il le faut. Oh! Enfoiré, tu m'as fait peur! Tiens, prends ça. Ouais, j'ai tout verrouillé quoi en fait. Ok, bah écoutez, on va aller fouiller la maison. C'est vrai que j'arrive à trouver une autre arme, quoi, j'en ai marre de mon marteau. Allez, connard. Il y a des people là-dedans. Comment je vais faire? T'as pas d'armes quoi? Oh!
Lost and found. Hey, c'est ce qui s'appelle l'appel aux zombies. Allez, viens, collègue! Et... Il y a des trucs là-dedans, il y a des trucs à récupérer. Allez, venez, y a pas de soucis là. Chaud là. Pour mes petits chauves. Baba! 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 Et baba! Yeah! Et yeah! La double! Ah, oh, c'est bon, il en reste plus qu'à. C'est pas comme si ça allait être super dur. Ah, l'éternuement, j'en avais dans le nez quoi. Des munitions. Rien d'autre. Poisson. Bah écoutez, ça m'a l'air tout. Ça m'a l'air bon. Ah, peut-être un truc là-bas que j'ai pas remarqué. Regardez, une clé à molette, une clé anglaise quoi, ça pourrait servir ça. Bon, bah apparemment il y a un lot. Ouais, peut-être vraiment du côté de la route là, peut-être qu'il y aurait quelque chose vraiment à récupérer. Salut, ça va? Non, il y a rien. En tout cas, j'ai rien vu. Bon, écoutez, on s'en va. Voilà. Bon bah ça va, hein, nickel chrome. Pas trop de soucis pour le moment. Vraiment pas du tout. On a récupéré plus d'essence que l'on devait. Hein. Voilà, on a quand même pas mal d'essence. Donc c'est sympa. Cette fois-ci, on va prendre les chemins. Pour niquer encore plus notre jauge d'essence. Alors, au mémorial, au pistolet. Ouais, d'accord, en fait on n'est pas encore arrivé quoi. Ça va être chaud d'y aller en fait. Il doit y avoir plein de mini trucs comme ça quand on est vraiment en queue d'essence. Il faut vraiment regarder, enfin essayer de faire toutes les combinaisons possibles pour pouvoir un peu tout ce qu'on a ramassé. Mais pour le moment, notre but vraiment, c'est de trouver de l'essence pour pouvoir nous déplacer quoi. Il y a un atelier, peut-être ouvrez-vous des ressources. Ah, bien sûr que oui. Un atelier, ça me parle beaucoup. Il doit y avoir peut-être des armes, etc. Alors, boisson énergétique, fusée de détresse, munitions de fusil. C'est quoi la différence entre munitions de fusil et munitions de fusil? Franchement, je vois pas. Hein. Mais bon, je vais me passer de mon fusil coup par coup. De munitions de fusil. Je vais garder l'essence sur moi. Parce qu'apparemment, c'est pas très bon. D'ailleurs, elle est où notre meuf, là, qui est avec nous? Je sais pas. Ah ouais, voilà. Fouiller les zones. Attendez, c'est du foutage de gueule, là. Non, mais ils sont sérieux. C'est le même. Mais je viens de le faire. Ah non, c'est pas possible. Mais je viens de le faire. On va y aller un petit peu plus vite alors, mais c'est quoi ce bug là? On roule, et là dans la ville d'à côté, on voit exactement le même garage, what the fuck? Regardez, c'est exactement le même! What the fuck? Ils ont craqué! Non mais là ils ont craqué, sérieux là. Ah là par contre c'est décevant là, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Non, c'est pas le même en fait. Si, c'est le même. Enfin, je sais pas. C'est pas possible. Je récupère les mêmes trucs en plus au même endroit. What the fuck. Si j'arrive à m'en sortir avec mon simple marteau, je suis un PGM. En même temps, c'est pas encore trop dur là. Regardez, c'est le même endroit quoi. Non mais là, franchement, ça se fait pas. En plus, dans le garage, j'y étais, y'a rien. Hein.
C'est vrai que pour le coup, là, c'était... Cet épisode, il doit vous faire chier. Regardez, il y a que dalle, quoi, en plus. Wandering off ain't gonna do me no good. Ouais bah écoutez, on va se casser. Ah, je suis vraiment désolé pour le coup, hein, mais c'est vrai que c'est assez assez décevant là. On part d'un endroit et on arrive au même endroit quoi. Bah oui, je veux bien continuer, oui pour le coup, c'est vrai que ça serait sympa. Et on va prendre bah, la rue, hein, voilà, sachant qu'on a pas mal d'essence. Ah c'est vrai que là je suis assez déçu pour le coup, mais bon. Merle. Hello. Man, I gotta tell you something. Something happened, bro. I got it. Full bore, flesh eating apocalypse. Ah, j'adore la voix de Merle, c'est un truc de fou. We were at Jess's camp house when the eaters came down on us. We never heard anything about them. They tore us up. Jess and me, we were the only ones to get out. Where's the old man? He was up at the camp house too. He didn't make it, bro. Ouais, bon. Hop, on va passer direct. Cinématique. Bon, est-ce qu'on est arrivé tout simplement à notre endroit ou pas du tout? En tout cas, on a récupéré notre petite survivante. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aucune arme assignée. Écoute, tu vas prendre un marteau, hein, puis tu vas aller chercher... tu vas aller trouver de l'essence. Malgré que ce soit dangereux, j'ai envie d'essayer. Hein, vraiment, j'ai envie d'essayer, voir ce que ça pourrait donner. On s'en fout de façon de la meuf, c'est bon. I need some methicillin, some penicillin. Better yet, make a mice. You stay put. You just slow me down right now. The hell I would. But I was thinking of kicking my feet up. Merde, le drogué quoi. Bon, apparemment, on est arrivé. Dans un hôpital. Ah, comment ça va se passer? Alors. Ouais. Rien. On va avancer, hein. Pas les hôpitaux. Eh, mon bras me fait mal. La fuc. Salut. She brought you to the hospital after all, huh, Donner boy? Oh, Scout? She went to the morgue, get some medical tools. She said there were some mean-looking military dudes, so look out, man. Hey, I need some antibiotics. You got some? Gauze and tongue depressors. Sorry. I'm gonna keep moving. Cool, man. Be safe, alright? Ouais, parce qu'à mon avis, il doit y avoir un petit peu de... Je peux pas y aller, fait chier. Un petit peu de zombies, quoi. J'ai peur. Imaginez, ils se relèvent tous là, je fais quoi avec mon simple couteau? C'est ça que j'aime bien, c'est de pas avoir vraiment d'armes pour le moment. Surtout dans un endroit comme celui-ci. Ça me fout un peu les pétoches, vous voyez? Et ça me plaît quoi. Je les sens pas, les trois zombies là. Some light would be nice. What do you see? What do you think I see? It's a fucking hospital. Rien du tout. Maman. Au secours.
Bon, enfin. Y'a rien dans cet hôpital de merde! Certes, c'est flippant, y'a que dalle! Y'a même pas des capotes, quoi! Non, je déconne. C'est blindé de portes à ouvrir, y'a rien. C'est quoi cette musique de merde là? Je vais craquer. Genre, y'a col. Du courant. Quoi ça? Ah, des rations, voilà! Super! C'est déjà ça! Salut, ça va? J'ai peur. Je vais me chier dessus. Ça va, vous êtes bien dans l'ambiance là, hein? On s'en faille! Quand je déconne. Putain, mais y'a rien de rien, quoi. Ah oh putain! Oh la vache! Oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur comme ça, quoi. Oh mon dieu! Je suis sûr que vous avez dû sursauter de votre siège, là. Un truc de ouf. Oh, oh, j'ai l'impression que mon zizi il a fait 35 tours là. Ah, c'était monstrueux. Ça va toi? Je commence à être endurci à force de... Ah, objet récupéré, d'accord. En fait, on peut récupérer des objets apparemment. Ah, oh, quand j'ai peur. Ah, oh. J'ai hurlé comme... Pute. Foiré. Shove. Pourquoi y'a encore la musique? Je l'ai senti parce que si vous voulez, la vis assistée s'est activée. Ah, tu as brûlé pour qui toi? Ok. Rentrons là-dedans. Cet endroit super méga sombre de la mort. Ah, ah, ah. J'ai peur. C'est quoi ça? En plus, c'est la cafette, quoi. Pas le jeu de mots de merde. Toi, tu restes là. Tu bouges pas. J'ai quoi comme arme, au fait, sur moi? Ouais, j'ai juste mon couteau, en fait. Je suis un taré. Regardez, c'est toujours même trois coups, hein, de... Trois coups de machin. C'est con, ça. Oh, putain de merde. Je peux pas contourner? Non, c'est pas possible, parce qu'il y a un peu beaucoup de monde, en fait. Genre, je sais pas, passer par là, vous voyez. Non, je peux pas, en fait. Quoi? Quoi? Comment je peux faire, là? Qu'est-ce que tu fais debout, toi, là? Regardez, il y a son ombre derrière, comment c'est bugué. On a vraiment... La forte impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Oh putain, il est flippant cet hôpital. Bon, comment je vais m'y prendre là? Sachant que j'ai rien. Tu ne t'entends rien à rien. Si c'est pour éliminer 2-3 en bail. Salut! Vas-y, attends, on va laisser là. On va laisser passer un et on ferme. Non, c'est pas faisable. Ah! Je suis bloqué! Ah! Il y en a partout! On est infesté! Appelez les services sanitaires! Non! 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 Au secours! Je vais m'en sortir! Christo, tu vas t'en sortir! Oh putain! Oh mon dieu! J'ai trouvé une technique pour les enculer, vous avez vu?
trouver une technique pour m'enfermer, je peux pas sortir. Ah, salut. Aïe. On se casse. On se casse. Allez, on passe à cafette là. Il y en a combien, bordel? Oh, c'est bon. Il va? Non. Il va? Ok. Bon, il y en a que deux, c'est bon. Deux, c'est prenable. En tout cas, l'autre, il sert à rien. Vas-y, viens, 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 madame. J'ai juste envie de sortir de l'hôpital. Bon, c'est vrai que cet épisode il est relativement long, mais au moins vous avez de quoi regarder. Sachant que bon, je l'ai pas arrêté à 26 minutes. Vaut mieux que ce soit un petit peu plus long que trop court. Même si ça me demandera beaucoup plus de temps d'upload, etc. Au moins ce sera un bon épisode pour vous. Ok. Changing the channel, monkey. Candace, just wait. Candace, it isn't a function of the central nervous system, but of the peripheral. Do you have samples? A working serum? That's what I stated. Whatever it takes. Whatever it takes. You don't have it. I will. Lieutenant Groves is searching with his men as we speak. J'ai peur. Restroom. C'est qui m'a vu là? Cache! Ça s'en est un. Il doit y avoir du peuple là-bas là. Continue mon chemin, j'en ai rien à foutre. What the hell? Non! 20 to 30, light field, 5, 4 to 5, 7. Cours, cours, Forest. J'ai peur. Oh putain, c'est en train de s'effondrer quoi. Je suis sauvé. C'est quoi? Super. Ah! Putain mais... Arrêtez de me surprendre comme ça! On se casse, on se casse, on se casse! Atrium! Je sais pas ce que ça veut dire! Je... Eh mais... Je suis mort! T'es sérieux? Oh non! Mais genre quoi, genre j'ai perdu autant de vie d'habitude, ils sont pas aussi violents, ça y est, ils sont dans les hôpitaux, c'est des zombies un peu plus puissants, voilà, c'est des ouf. Bon, j'espère que je vais pas recommencer de trop loin, parce que bon, voilà. Bizarre, pourtant je pense avoir ma vie quand même assez... Enfin, je pense avoir une barre de vie assez remplie là, pour le coup. Je réapparais où? Dégage, dégage salope. Il y en avait un deuxième, il est où? C'est pas facile hein, de les voir. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je joue vraiment avec mon casque. Hop. Tiens dans ton œil. Et tiens. Et tiens. Ok. Apparemment, vous avez vu un coup fort et deux coups de couteau pour tuer un zombie. Ah, c'est ça. Hein. Un coup fort, deux coups de couteau.
Mais les trucs là. J'ai bien fait d'aller faire un tour. Ouais, par contre là j'ai pas trop envie d'y aller quoi. Hey Merle, you there? Of course I am. Hell, I thought you bought it. Someone else here. Maybe they can help. Oh, un crawler. Un rampant s'il vous plaît. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il était pas mort? Ok, voilà le bruit de merde. Mais... Quoi? Verrouillé. Bon lui, il va pas m'emmerder. J'ai peur. Oh non. Faites de deux. Bon, c'est sécurisé. Je vais m'occuper de lui. J'ai remarqué une porte là-bas, mais mon objectif c'est par là, j'ai pas envie de m'éterniser. Ah oui! Oh oui, monsieur, enfin une arme! Ah! Voilà! C'est ça que je voulais! Là, je suis à l'aise. Là, no problem. Par contre, je passe par où? Là, c'est bien, j'ai récupéré une arme, là, c'est verrouillé. Par là, hein, c'est la seule issue. Issue, mais voilà. On va pas gaspiller des cartouches. Mes petits chauves, s'il vous plaît, venez voir, j'ai peur. Dégage ! Ah ! Ah, punaise ! C'est par là ou par là ? C'est verrouillé. Des bruits bizarres dans cet hôpital de merde. Salut, ça va? Bon, exit. Pour... Vous voyez, un zombie. Il n'y a plus de bras droit. Je suis pressé de m'en aller. Hein. Tente. Ok, faut pas ouvrir quoi. Ok, ok. Ça va déjà mieux, hein. Ah non, 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 pas encore cette scène de merde. Ah, je peux les repousser. Mais c'est super. Même pas que je pouvais les repousser quoi. Oh oui, jerrycan. Ok, pas cool. En gros je suis bloqué. J'avais même pas que je pouvais les repousser. Vous voyez, quand en faisant mes épisodes j'apprends des choses. J'ai appuyé par mégarde sur, sur RB et bah, c'était super en fait. Ok, c'est par là. Bonjour.
T'as la galéré pour sortir le couteau, un truc de ouf. Ouais, fuck l'endroit noir. Bon, de toute façon, je suis obligé de passer par une de ces portes là. Elles sont toutes verrouillées, évidemment. Ok. Il y a un zombie à droite. C'est quoi ce bruit derrière moi là? Ah! Là, lâche-moi! Rien. Ok, je peux fermer. J'ai peur. Ouh, putain! Non, j'ai pas envie d'ouvrir. Sauf si vraiment je suis obligé. Ok. Salut les gars. Vous allez pas m'emmerder, vous deux. Et tiens. Quoi? Oh, la meuf, quoi. Bon, je vais me soigner quand même avant d'entrer à la morgue. Ok. Sympa. Ça va, c'est la fête? Je crois qu'elle s'est fait déchiqueter, la meuf. Je vais par là. On va essayer de les... On va les laisser manger, hein. On va surtout pas les déranger. Wow! Il y en a trop, là! Je passerai pas. Oh, c'est mort. Mais pourquoi il y en avait autant de zombies là? C'est un truc de fou. C'est pas grave, moi je suis Darry, je vais repousser les assaillants. Allez, mais ça marche pas. Bon, à mon avis, ils arrivent à l'infini, on est voué à mourir dans cet endroit. J'essaie de les repousser. Ah oui, j'ai repoussé, je peux passer maintenant. Super! Elle est super cette commande en fait. Oh, c'est dur. Ça va, c'est un bon gros épisode hein, quand même. Vous êtes quoi voir? Ça qui est cool. Bon, de toute façon, dès que la mission est terminée, j'arrête. Je suis vraiment en coque de munitions pour le coup. On se casse. Parking. Oh, man. Trouver le docteur. Ok, on a trouvé le docteur. I'm looking for meds, antibiotics mostly. You got any you can spare? What in the hell? These are desperate times. You need meds and I need a very fresh sample. Let him go. I'm sorry, but we need to get ahead of this disease. One fresh sample will save millions. What am I doing? There's got to be another way. What if... No. Maybe if we could just... Oh, no time. There's just no time. We need to make this sacrifice. It is no different from taking tissue from a viable donor to save another life. No, lives! What the hell you doing, boy? I need those meds! Merde, t'es pas content, tu le fais. Hein. Bon, je dois faire quoi, là?
Trouver du matériel médical, chercher dans l'hôpital, mais... Allez, ouais, super. Avec la Noah... Ah, puis fuck Noah, donne-moi les médocs. Récupérer dans la réserve. Et c'est où la réserve? Ah bah c'est par là. Je suis vraiment enfoiré quand même. Bon, on a des munitions de fusil à pompe. Et on a le matos. Et on se casse de ce truc de merde. Là, ils vont dire ouais t'aurais pu sauver Noah. Non, la flemme de sauver Noah. Moi je suis comme ça moi. Bon je sais pas ce que c'est par là. Non bah non c'est pas par là que je dois partir. Bah c'est où alors? Ah quoi c'est quoi c'est... C'est quoi ce délire là total Fuyez par le garage. Bah je veux bien fuir par le garage. Mais il y a que cette pièce. Je suis bloqué en plus. Mon dieu. Monsieur. Regardez. Pas de porte. Ah si là. Voilà, faut la voir quoi. On se parle là. Salut. Ah, je crois que ça va être la misère pour sortir de ce bordel encore. Tiens, comme ça je t'en mets deux coups et t'es morte. Pas de munitions, que dalle, non. Toi tu vas pas m'emmerder. Ok, on va la repousser. Mais je peux pas la repousser là. Ah si, ça y est. Ça pue la merde, hein. J'ai trouvé une technique quand même. Surtout quand ils vous chopent comme ça, faut vraiment penser à les repousser en fait. Ok. Not bad. Salut madame. Pourquoi t'es... Pourquoi t'es coincé comme ça? Je sais pas. Je peux pas pousser ce machin. Non, tu te démerdes en fait. Ok, salut les gars. Un par un. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bon, faut faire gaffe, j'ai quasiment plus de vie. Et il y a des zombies, évidemment. C'était quoi ce bruit dans l'eau là? On se casse. Putain de merde! Vous avez vu le monde qu'il y a derrière? Je peux pas fermer en plus. Fusil à pompe. On se casse. Juste à côté du garage. Allez, allez! Oui! Oh! Oh, ça fait du bien. J'en peux plus quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode 4 qui a duré, on va dire, deux fois plus de temps que d'habitude, je sais. J'étais vraiment à fond dedans et je sais pas, j'avais envie de faire un épisode vraiment très long. J'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère qu'il vous aura plu sincèrement. Je vous invite à laisser un petit like, un commentaire, la partager avec vos amis, me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, je sais. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment le meilleur moyen que... Enfin, vous ayez pour puisse, enfin pour pouvoir parler avec moi. Après il y a le Skype abonné, mais bon j'ai pas trop le temps d'y aller. Donc dès que je peux aller sur Facebook et Twitter, j'y vais. Donc voilà, je vous fais à tous un gros gros bisou mes petits chauves. On se retrouve bientôt pour l'épisode 5 et l'autre vidéo. Salut tout le monde, ciao bye, bisous, smack partout, voilà quoi, bisous.